Lalita Sri Vishakhanitamscha Bande Guru Nisha Bhakta Nisha Misha Bhutarokan Tat Prakashamscha Tachakti Krishna Chaitanya Sangakam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Again, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, I offer my most respectful obeisances unto the holy lotus feet of my Guru Pad Padma, His Divine Grace, Sishila Bhakti Rakshak Sridhara Deva Goswami Maharaj, and pray for His Divine Grace on me. Je prie tout d'abord pour mon maître spirituel Srila Sridhar Dev Goswami Maharaj et pour ses bénédictions. Thereafter, as none different from him, I offer my most respectful obeisances unto the holy lotus feet of my great, glorious Siksha Gurudev, His Divine Grace, Sishila Bhakti, Abhay Charanarobinda Bhakti, Vedanta Swami Prabhupadji. Et j'offre également mes humbles hommages à mon maître spirituel, Siksha, instructeur, à ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. As none different from him. Also, I offer my most respectful obeisances unto the holy lotus feet of my great Sannyasa Guru Padma, His Divine Grace, Sishila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et j'offre également mes hommages à mon maître spirituel, initiateur de mon sannyas, Bhakti Pramod Puri Maharaj. And in conclusion, I offer my prostrated, devoted obeisance unto the holy lotus feet of my Paramagurudev, His Divine Grace, Paramahansa Thakur Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Et j'offre également mes hommages à Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. All glories to the Srila Saraswati Goswami Thakur Prabhupada along all with his beloved associates. Toute gloire particulièrement Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur et tous ses associés. I humbly pray for all their divine grace to be bestowed upon me and bestowed upon you all. Je prie humblement pour qu'ils bénissent tout un chacun ici. And I especially pray, today is the most holy appearance day of His Divine Grace Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ji. So I especially pray to him to bestow his divine grace, mercy on me and all of us. Et je prie donc Bhaktisiddhanta de bénir Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Oui, de bénir particulièrement ce jour, et je prie également Bhaktivedanta Swami Prabhupada de bénir cette assemblée. And wholeheartedly praying for their divine graces, mercy of Nanda Maharaj and Jashoda Devi today,
Because today is their Anandotsava after the appearance of Lord Krishna. Et naturellement, comme nous avons fêté hier l'apparition du Seigneur Krishna, je demande la bénédiction de Nanda, de Yashoda et de Gopalji. All glories to them. C'est Nanda Maharaj, Mother Yashoda, Divine Mother Yashoda and Gopalji. Toute gloire à eux, Ananda Maharaj et la Sainte Yashoda. All glories to Nitai Vishwambhara. And Sisi Radha Madan Mohanji, Gopalji. Toute gloire à Vishwamba, Nitai et Radha. Radha Madan Mohanji. Radha Madan Mohan. All glories to all my beloved Guru Bhargo, bound, unified in Akhanda Guru Tattva. Toute gloire à toute cette merveilleuse, fantastique parampara de tous les maîtres spirituels. So today is one of the most auspicious days. Aujourd'hui est un jour béni d'entre tous. Because today two most holy special occasions got combined together. One is that the divine appearance day of His Divine Grace Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada and a beloved associate of Sriman Mahaprabhu, Radha Madan Mohanji, and also that day of the great celebration, jubilant celebrations of Lord Krishna's appearance, Gopala's appearance, Nandotsava, Nanda Yashoda's Anandotsava. Donc c'est un double anniversaire par rapport à hier où on a eu la célébration du Seigneur Krishna et aujourd'hui de son serviteur intime Asse Bhaktivinanta Swami Prabhupada. And also Nanda Yashoda's Anandotsava, I mentioned both. Bien sûr, Prabhupada Bhaktivinanta Swami, serviteur de Nanda et Yashoda. Gaur Hari Bol. So let me first begin with the description of glories of my divine, glorious Shiksha Guru Pad Padma, Srila Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Commençons par les gloires de mon Shiksha Guru Bhakti Vedanta Swami. Because it is always great to start with the beloved devotee. Start the glorification first with a beloved devotee, then relating to the Lord. Okay, going to the Lord. Nous commençons cette glorification d'un très grand serviteur du Seigneur. Because Supreme Lord Himself said many times that I become more pleased when my pure devotee is glorified rather than someone directly glorifying me. So in other words, it brings more pleasure to my heart when my pure devotee is glorified in the first place and then through his glorification, I am glorified. Le Seigneur indique dans les Écritures que il est plus cher à son cœur l'adoration de son pur dévot, de son serviteur, que l'adoration pour lui-même. So, I have got so many sweet memories in my life. Okay, to have the association, divine association of my both Guru Devas. Srila Bhakti Rakshak Siddhartha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Okay, together, I had the immense fortune to have darshan of both of them together several times. How many?
Several times, it's like several times. Yeah. Several times, five times to six times. Bien sûr, aujourd'hui, c'est la célébration aussi de mes deux maîtres spirituels, Srila Sridhar Maharaj et Bhaktivedanta Swami, où j'ai pu, à plusieurs reprises, avoir leur association à tous les deux ensemble. So naturally, I have so many sweet memories to speak about him. Et naturellement, j'ai des souvenirs très doux, très charmants à leur adresse. You know, I first remember when he first came to Nabodaya after having his after the beginning of successful Krishna Katha preaching program in the Western country, then he first came to Navadvip Dham with a mind, with a goal to have a land at Mayapur, to acquire some land at Mayapur to start Mayapur Chandodai temple. Okay, then at one point he came to Navadvip Chaitanya Sarswat Math to see Srila Guru Maharaj, meet Srila Guru Maharaj. Alors naturellement, après que Bhaktivedanta Swami Prabhupada avait commencé son mouvement dans le monde entier, il est venu pour commencer ce projet à Mayapur, Chandradoya Mandir. Mais auparavant, comme rien n'existait en fait, donc il est passé d'abord chez son frère en Dieu, Sridhar Maharaj. I remember he first came with some of his disciples, Western disciples. For example, like Achyutananda, Ramanuja, Srutakirti, I can still remember their name first. And and then a little later also came with the then Bhavananda Maharaj, and I remember some other, maybe Jayapataka Swami, and few others. And he was so pleased. I was a very young boy at that time. But I could understand everything and see everything. He became so pleased to come at Chaitanya Sarswat Math, paid prostrated obeisance to the deities of Chaitanya Sarswat Math. Okay, I won't linger then. Naturellement, Bhaktivedanta Swami Prabhupada est venu au mat de Sridhar Maharaj. Donc, moi j'étais jeune, mais quand même j'ai pu voir tout ce qui se passait. Et il est venu avec plusieurs de ses disciples, dont il y avait Achyutananda, il y avait... éventuellement Jayapataka, il y avait Ramanuja, Bhavananda, Srutakirti, etc. Plusieurs de ses disciples qui étaient là, des disciples blancs, quoi. Il dit, je les ai vus. And I remember him. He got up on the temple of Chaitanya Sarswat Math, paid prostrated obeisance to the deities. Looked up towards the Bhajan Kutir of Guru Maharaj, and some of us, the moth living brahmacharis, I don't say the name, Haricharan Prabhu Krishna, they all went running and paying pranam. We all received him from the gate of Chaitanya Sarswat as he was entering. Alors Prabhupada, lorsqu'il est arrivé à l'entrée de l'ashram de Sridhar Maharaj, nous avons été l'accueillir, quoi. Et puis il est venu, il a offert ses hommages aux déités qui sont là, Radha Krishna. Mahaprabhu Radha Krishna. Radha Krishna et Mahaprabhu. Et ensuite, il est monté voir son frère en Dieu en haut, dans la chambre où résidait Sridhar Maharaj. And we, the disciples of Srila Guru Maharaj, received him from the gate as he was entering Chaitanya Sarswat with so much enthusiasm, joy and enthusiasm, respect. Et nous étions jeunes et nous sommes courus, naturellement, nous avons couru pour aller l'accueillir là-bas à la porte. Under the special inspiration of our Guru Maharaj. Sur la volonté et le désir particulier de notre maître spirituel qui nous avait demandé de faire ça. Then at some point, after paying obeisance to him, dandavat pranam, then we took him upstairs to Après Guru Maharaj's Bhajan Kutir. Lui avoir donné notre affection et notre hommage, nous l'avons dirigé vers notre maître spirituel. As soon as both God brothers saw each other, they became so, so happy. I still remember, like living, so living in my memory, such a happy experience to see both God brothers became so happy to see each other. Je me souviens, c'est un souvenir mémorable dans ma conscience pour ma vie entière, de voir ces deux
lumière ensemble, ces deux astres qui brillaient. Okay, so they paid, immediately they paid Dandavat Pranam to each other, and then Srila Guru Maharaj immediately asked us to give him a nice chair with some cushion to sit on. Naturellement, ils se sont offerts l'un et l'autre les hommages, et Sridhar Maharaj a dit, amenez tout de suite un bon siège, quelque chose bien confortable pour l'installer. Bien, Prabhupada. And his disciples, we, Srila Guru Maharaj's disciples, just sat together, surrounding both the great gurus. Et nous, les disciples de Sridhar Maharaj, et nous, les jeunes, nous étions là, nous avons entouré ces deux maîtres comme ça. And then, both these exalted God brothers began to speak Krishna Katha in the mood as their Gurudev, Srila Prabhupada, Saraswati Thakur Prabhupada, would be speaking Harikatha in the mood of their Gurudev. Ils ont l'un et l'autre commencé immédiatement à parler de ce que nous appelons Krishna Katha, c'est-à-dire les histoires de Krishna, mais dans la sensibilité de leur maître spirituel. And they spent hours absorbed in divine topics of their lordships, Mahaprabhu, Radha, Krishna, and their Gurudev, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Ça a duré des heures comme ça, cette exaltation du divin, et aussi de leur maître spirituel, Bhaktisiddhanta. And we the disciples of both glorious Gurudevas, just sitting around them, absorbed in listening to the Harikatha they are discussing and tasting into their reciprocation of the Harikatha, exchanges, loving exchanges through Harikatha. Hare Krishna. Hare Krishna, I can't translate. Getting emotional. Hey Krishna, Radhe Krishna. We the disciples of both great Gurudevas sitting surrounding both of them and listening to their Krishna Katha, okay, and like were tasting nectar, and that Krishna Katha was happening like loving exchanges. They're having also loving exchanges of their own mood, you know, feelings, experience about Sriman Mahaprabhu, Radha, Krishna, and between them. Alors, les disciples, on assistait à cet échange merveilleux. Ils partageaient leur amour réciproque pour Radha et Krishna. Yes. So it was very something very special to note, to experience that they are both these exalted God brothers are having great loving exchanges of thoughts, moods, taste through Krishna Katha, each other. C'est quelque chose d'assez exceptionnel à témoigner, de les voir en train de partager leur amour pour Krishna. And it went for hours, at least. More than 2 hours, at least. Ça a duré au moins 2 heures. So, sometime Guru Maharaj would be speaking. He would be mostly speaking about the Krishna Katha
in the mood, in the line, as his Gurudev Srila Saraswati Thakur spoke. Mon Guru Maharaj parlait du Krishna Katha dans le mood de comment son maître spirituel en parlait. And he, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, would be listening, and sometimes his turn, he would be saying, speaking, and Guru Maharaj would be listening. Dadati pratigrihinati, sharing, okay, each other's feelings, revealing each other's heart in the relation of divine couple and Mahaprabhu. Et après, Prabhupada écoutait, et après, il révélait aussi son cœur. Ils partageaient chacun leur cœur de leurs sentiments pour Radha et Krishna. Mm. Sometimes, you know, at times, both God brothers would simply speak in Bengali, you know. They simply start speaking in Bengali, then Srila Swami Prabhupada, Western disciples, started wondering what they are speaking in their own language, so absorbed way, so enthusiastic way. Alors souvent ils parlaient en Bengali, et donc les disciples occidentaux, ils comprenaient pas, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils racontent d'une manière tellement exaltée? Mm. We are understanding, being the Bengalis. Nous, les disciples, the disciples of Guru Maharaj, we understand. They are not understanding. But they have some, how to say, consolation that all being recorded. At least they could know the future. Ils étaient consolés parce qu'ils enregistraient tout. Ils savaient que plus tard ils pourraient traduire. All getting recorded, and they could. Through translation. Okay, so that was experience. Something we are understanding, and they are thinking, oh, what my Guru Maharaj speaking to Siksha Gurudev, Srila Siddhartha Dev Goswami Maharaj, so happily, enthusiastically, in their own language, flowing. Amusant à voir tous ces occidentaux qui se demandaient vraiment qu'ils étaient en train de se raconter, et tellement enthousiastiques. And at one point, one of his disciples, I forget the name, one of Prabhupada's disciples could not have more patience, could not wait any longer, and just asked his Gurudev. À un moment, un des disciples, il ne se souvient pas de son nom, il n'avait plus de patience, donc il a demandé à son Gurudev. But what you were so enthusiastically discussing with Srila Siddhar Maharaj, what so so much interesting discussing going on, and both God brothers, can you tell me a little bit? Prabhupada, s'il te plaît, de quoi vous parlez? Ça a l'air tellement intéressant, vous êtes tellement enthousiaste. Le sujet. And then he looked at that disciple and saying, in affectionate, grave voice, if I explain to you, you will be fainting. You will faint. Dit, tu vas t'évanouir. So, like, mood is, don't try to understand everything right now. Oh, if I explain to you, you will faint. Non. Dans ce mood, essaye pas de comprendre tout ce qu'on raconte. Okay, meaning, so high subject matter we are discussing with two God brothers, you may not be able to understand now. En disant ce qu'on raconte, c'est d'un niveau tellement haut. To understand, you may be fainting. Si vous essayez de comprendre, peut-être vous évanouirez. So like that. Later on, they all came to understand the Bengali poems. Okay, all. Bien sûr, après, ils ont traduit, ils ont pu comprendre. Like that. Little invaluable sweet memories, just speaking from my experience. Je vous parle de mes mémoires, de mon expérience. You know, because, you know, they are so belovedly related to each other. During the time of Srila Saraswati Swami Thakur Prabhupada being the God brothers, ils étaient très intimement reliés étant pendant la période de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada en étant des frères. Mm-hmm.
And also later on, after Srila Saraswati Thakur Prabhupada departed, I mean disappeared from this world, then also together Srila Guru Maharaj went to Kolkata, stayed in his residence more than a month, being lovingly invited by him to give classes on Srimad Bhagavad Gita and Bhagavatam. Plus tard, quand Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur les a quittés, Sridhar Maharaj est venu pendant plus d'un mois chez Prabhupada à Calcutta pour parler de Srimad Bhagavatam. At that time also, both the God brothers had so many, you know, important, very important spiritual exchanges, siddhantic exchanges between them on Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Mm-hmm. So both these God brothers also developed close, intimate relations between them, okay, as passing through, I mean, in course of time, okay, nice, spending beautiful moments in company of each other. Donc ils ont passé vraiment des moments très intimes avec le temps, en passant du temps tous les deux ensemble. Mm-hmm. So naturally, Srila Bhaktivedanta Swami thus had always some special feelings in regard to Srila Guru Maharaj, Rakshak Siddhar Deva Goswami Pad. Alors naturellement, Bhaktivedanta Prabhupada avait des sentiments forts par rapport à mon Gurudev. Therefore, came to Navadvip. Whenever he came to Navadvip, after completion or time to time, and every year, I mean, whenever he came to Navadvip Dham, he would never miss to come to see Srila Guru Maharaj and spend some beautiful, happy moments with him. Donc à chaque fois qu'il venait, il n'oubliait jamais de venir voir Sridhar Maharaj pour passer des merveilleux moments ensemble. So, several times, and I am the witness. I am one of the fortunate. Okay, of their beautiful harikatha, both of their beautiful harikatha. Fortuné témoin de des échanges de leur merveilleux harikatha. Ishtagoshti. When we talk about Ishtagoshti, you know, the ideal Krishna katha, harikatha, I had the experience about that, what is real. High-class Ishtagosti. L'Ishtagosti, c'est vraiment le haut niveau du Harikatha, et j'ai eu cette expérience de très haut niveau de Harikatha. Mm. How old were you, Maharaj? Hmm? How old were you? Je lui ai demandé quel âge il avait. Around 13, 14 years. I think started from 12 years. 12. À partir du de 12 l'âge years de 12 started. So then I met both together several times. So the age, I think it started from age of 12 years or half years, and then it 13, 14, 15 years, met several times every year. Chaque année, en fait, je l'ai vu la première fois à 12 ans, après 13, 14, 15, jusqu'à 15 ans. Being invited, I mean, Srila Guru Maharaj also helped Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada to locate the Kapur ISKCON land, and also helped to make arrangement to buy that portion of the land. Mon Shri Gurudev l'a aidé à trouver la terre, et l'a aidé aussi à
comment l'acheter. Yeah, Srila Guru Maharaj. I have seen Srila Guru Maharaj took a personal interest to talk to his other god brothers, such as Goswami Maharaj, Srila Bhakti Kamal, Madhusudan Goswami Maharaj, who are living at that time, to also talk to the temple command of Bhakti Maharaj's temple, Nandan Nandan Acharya Bhavan, to help finding out good price for that land. But he actually of that land, because he knew he was requiring a big portion of land, and a big portion of land was available in that location where we find the present ISKCON temple. C'est en fait lui qui a choisi cette location. Il savait que Prabhupada voulait un très grand terrain. Donc il savait que ce terrain, il était disponible, et il a pris grand intérêt à communier avec les autres frères en Dieu pour le prix et pour que Prabhupada puisse acquérir cet endroit. And then, at that point, Srila Guru Maharaj was so happy to see New Mayapur Chandadaya began gloriously on that piece of land selected by him. Gurudev était vraiment se fasse sur ce terrain qu'il avait trouvé. So now, the very inauguration of the Mayapur Chandadaya temple, on occasion of the inauguration of Mayapur Chandadaya temple, very lovingly invited by Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ji. Donc bien sûr, le jour de l'inauguration a été très bien invité. And he simply took me. Guru Maharaj simply took me with him. A little companion. Il m'a pris avec of lui. Of my Guru Maharaj, loving servitor. Serviteur. I remember Srila Guru Maharaj, myself, Govinda Maharaj, Srila Krishna Das, Akincha Krishna Das, Babaji Maharaj, all went together. Je me souviens de tous ces dévots qui sont venus avec nous. That was the occasion when both these exalted god brothers Vyasasana, you see the picture? Yes. And I was right there. C'est à cette occasion-là que ces deux grands maîtres se sont assis tous les deux sur le même Vyasasana, et j'étais là à ce moment-là. Maybe if you thoroughly search in the photographs, maybe you may see it was crowded, you know. Small boy. But I was there at that time. Si vous regardez peut-être très très bien, vous verrez un petit garçon. J'étais là. So, and I was. See, I was a direct participant, a companion. I'm being a attender, a living servitor, personal servitor of my Guru Maharaj. So naturally, I actively participated. Not so actively, but I was there, just participated on that occasion. I remember clearly. Remember everything. It's all living in my memory. C'est très très clair dans ma mémoire, ayant participé à cet événement en étant invité. I remember clear that he sang the kirtana, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Thereafter, Govinda Maharaj also sang, chanted. Bhaktivedanta Swami Prabhupada a chanté, après Govinda Maharaj. Govinda Maharaj also. Après over there. So, beautiful, beautiful memories, beautiful, valuable memories. C'est des mémoires magnifiques. It's like invaluable gems, different types of invaluable gems with different types of beauty and effulgence. C'est comme des pierres précieuses sans prix qui ont un éclat et une beauté incroyable. Sometimes I feel like wearing a necklace, invaluable necklace, made of some beautiful little
gems of different types of beauty and effulgence they are emanating. C'est mes mémoires. C'est comme si je portais un collier de pierres précieuses qui sont chacune particulières et qui brillent et qui sont magnifiques. Mm-hmm. Et, so, back to the point. Some point. So, Srila Swami Prabhupada was also very happy to accept Srila Guru Maharaj's suggestion about that location of having them founding, starting Mayapur ISKCON Temple. And then, yes, then he always wanted him. We have seen that Srila Swami Prabhupada have always wanted to become the loving guide, come guardian of all his disciples, requesting him, Maharaj, I have to be traveling almost all over the world, and I am bringing all these newcomer disciples. They don't know anything. They are not trained up. If you take the position of their guardian, spiritual guardian, Siksha Guru, meaning that, then they can be so much helped. Okay, it will be beneficial for my mission. Bhaktivedanta Swami était très content de. Comme il a tellement mon Gurudev, il l'a demandé s'il pouvait être le gardien de tous ses disciples. Parce qu'il disait, je voyage beaucoup, donc est-ce que tu peux être leur gardien ? Ils sont tellement inexpérimentés, et donc les aider en étant comme un Siksha Guru. Yeah. I'm actually explaining into. I did not exactly quote how he said to Guru Maharaj, but it is very clear in the history that he extended very heartfelt invitation. Guru Maharaj to become like head of the ISKCON, okay? Especially to take care of his newcomer disciples, all the disciples, and train them up, okay? Help them. Je vous dis pas exactement les mots qu'il a utilisés, mais plutôt l'esprit dans lequel il l'a fait. C'est très clairement documenté qu'il avait demandé à ce qu'il soit le gardien qui s'occupe de ses disciples et qui les entraîne. So, Guru Maharaj presses for all his disciples in ISKCON. Donc comme il a voulu, il a été un guide pour ceux qui. And that's what Srila Guru Maharaj also did. Anybody, any of his disciples, all of his disciples who came to hear Harikatha. Guru Maharaj. So Guru Maharaj would be spending hours, okay, to teach them, okay, to guide them. Tous ceux qui Krishna sont venus Katha. Le voir, Guru Maharaj a des heures à parler, à leur apprendre, à les guider. Thus, Srila Guru Maharaj graciously extended so much guidance to many of his disciples. Il a donné beaucoup de guidance à beaucoup de disciples. Mm-hmm. Gaur Hari Bol. You know, I remember. Of course, today is not that occasion, but I'll just touch the point as memory. Bhaktivedanta Swami Prabhupada disappeared from this plane. So Guru Maharaj again, for the last time, he came to Mayapur Chandodai Temple and spoke with. Feeling acute pain of separation from his beloved god brother. Bien sûr, c'est pas le sujet du jour, mais après quand Prabhupada est parti de cette planète, mon Gurudev il est retourné au temple et il a parlé avec un cœur très lourd de séparation. And that was also the last time I came with my Guru Maharaj to the temple. I mean, with Guru Maharaj, I went. Times after, but with Guru Maharaj, that was also my
last visit. C'est aussi la dernière fois que j'ai accompagné mon Gurudev à ce temple. C'était la dernière fois que j'y suis allé avec mon Gurudev. So back to the point. I have found Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada and Guru Maharaj speaking on verses of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Like for example, from Bhagavatam, Tatte nu kampang susamik samano bhanjano evad mukritang vipakam hrida bhagavapu vir vidadhan namaste mukti pade bhakti pade sadayo bhag like tabo katha amritam tapto jivan like Bhagavad Gita, like, Esame Bhanukam Partham, Mahamagya Najangatam, Nashayam Mahatma Bhavastu, Deepena Bhashata. Verses like, Sarvadharman Parityam Saranang Braja, Ahang Tvang Sarva Papi, Bhumakshai Saimash. So I do, speaking on those verses. De Bhaktivedanta Prabhupada qui parlait de ces versets. So, I do not want to take longer time. I'd also love to hear from him, his direct disciple, Krishna Bhakti Prabhuji, and then from our Srimad Jyoti Swami Maharaj. I have so much to speak. If he permits, then I will speak again. Otherwise, I also love to hear from his lips and him. Okay, I humbly remain here. J'ai plein d'autres choses à dire, mais j'aimerais vraiment écouter Krishna Bhakti Prabhu et Maharaj. And the after Maharaj. Jai Sishila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ji Ki Jai. Jai Divine Grace Sishila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ji Ki Jai. Vishnu Padaya Krishna Saya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Saswati Devi Goravani Precharine Nirvishesha Sukhine Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Niti Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavarinda Kiji. Cher Gurudev, Dearest Gurudev, nous célébrons en ce jour saint We're celebrating on this holy day, votre anniversaire dans ce temple, your birthday in this temple, béni par votre frère Bhakti Pramod Puri Maharaj. Graced by your brother Bhakti Pramod Puri Maharaj. Et en la présence and in the presence d'un votre autre frère intime, of the son of one of your other brothers, intimate brothers, Srila Sridhar Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, Srila Nanda Maharaj, Srila Nandan Maharaj. Nous sommes en notre famille naturelle. In your natural family. J'ai pu voir dans vos yeux I saw in your eyes à plusieurs reprises very often combien vous étiez concerné presque inquiet de savoir si nous comprenions bien votre message, to know if we were understanding your message de paix et d'amour. Of peace and love. Un jour, one day, les yeux fermés, with closed eyes, vous méditiez devant nous, you were meditating in front of us, puis regardant le ciel, and then looking at the sky, vous nous disiez, told us, Krishna is so nice. Krishna est merveilleux. Nous vous avons cru We believed you. Parce que vous avez cru en you
you believed in us. Puis, vous nous avez dit simplement, then you said very simply, asseyez-vous sous un arbre, sit under a tree, et chantez ce nom, and chant this holy name, tout simplement. Very simply. Vous n'avez besoin, you don't need, de rien d'autre. Anything else. S'il vous plaît, bénissez notre service, bless our service au sein de cette association mondiale des Vaishnavas, et particulièrement and more particularly, votre petite fille, our little daughter, Krishna Mayi, Krishna Mayi, qui devient en ce jour who is becoming today, notre nouvelle secrétaire pour la France. Our new secretary for France. Allez, les Jai Sri Gopalji Mandir, Jai Sri Yati Maharaj, Jai Sri Andan Maharaj, Jai Sri La Prabhupada Ki Jai, Jai Krishna. Jai. Om Agyanati Milandasya Gyanam Shalam Shalakaya Shakshuru Meritam Jena Taisme Shigulena. Laissez-moi, avant d'essayer au niveau de glorifier Srila Vaishnava Prabhupada, rendre mes humbles hommages à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Bibhuda Bhavan Goswami Maharaj et Srila Bhakti Madhava Maharaj, ainsi que Srila Bhakti Larchaka, Srila Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, tous les disciples de Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, et au pied de Shishimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. And I put my head under the feet of Bhaktisiddhanta Sarasvati. Aujourd'hui, c'est Nandotsava. Today is Nandotsava. Et c'est un jour particulier. And it's a very special day. Krishna a fait descendre et ses associés. Because Krishna brought his home and his associates. Et il est apparu au milieu d'eux. And he appeared. Et ce jour-là, donc, c'est une grande, grande fête dans le cœur des Vrajabhasis. Une explosion de joie. An explosion of joy. Expliquer que les sentiments des Vrajabhasis, it's explained that the feelings of the Vrajabhasis sont aussi puissants que des millions de volcans. Are as strong as millions of volcans. Et ils créent différents d'éruptions dans leur cœur. And they create all kinds of different explosions in their hearts. Et dans cette humeur, ils sont venus voir Krishna. And in this attitude, et Damaraj est naturellement, ce jour-là, très, très miséricordieux. On this day, very merciful. Il a distribué 1 million de vaches au Brahmana. 1 million cows to the 7 lignes de céréales. 7 hills of cereal.
Différents vêtements, différentes parures, différents different bijoux. Clothes, jewels. Et ce qui est pas anodin, c'est que Abhay Chande Bhaktivedanta est né ce jour. It's very special that Bhaktivedanta Prabhupada is born on this day. J'ai entendu dire sur Internet, I saw on Internet de sources very... que Srila Bhakti Lachaka Srila Dev Goswami Maharaj, that Bhakti Rashaka Sridhar Dev Maharaj, qui est pour nous une âme éternellement libérée, who is for us an eternal liberated un cher associé soul, du Seigneur suprême, of God, a dit que Srila Abhay Chande Bhaktivedanta Swami est une manifestation de Subal Sakha. Is a manifestation of Subal Sakha. Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Rupa Manjari et Subal Sakha se sont manifestés le même jour. That Rupa Manjari and Subal Sakha, were born on the same day. Ils sont deux jumeaux. They are twins. Ils sont des incarnations de la beauté de Srimati Radharani. They're incarnation of the beauty of Radharani. Et un jour, donc, dans les diverses Chaitanya Mahaprabhu, en tant que Gauridas Pandit. In the Leelas of Chaitanya Mahaprabhu, Subal Sakha was incarnated as Gauridas Pandit. Et un jour, le Seigneur Mahaprabhu est venu avec une barque en Bikar Karnal, là où Gauridas Pandit était présent, vivait. One day, Chaitanya Mahaprabhu came with a boat where Gauridas Pandit. Et il a pris une rame. And he took a paddle. Et Gauridas Pandit donc était assis. And Gauridas Pandit was sitting. Et il lui a donné cette rame avec l'instruction de ramener la terre entière. And he gave him this paddle, telling him he had to bring back the whole world. C'est pourquoi Chaitanya Mangal explique. And that's why Chaitanya Mangal explains. Chaitanya Mahaprabhu a dit que il allait inonder tous les êtres de l'amour de Dieu. Chaitanya Mahaprabhu explained that he was going to inundate the whole world. Et il a dit que ceux qui allaient se sauver de sa miséricorde, and he said that those that were going to, il allait envoyer away from his mercy, he would send his en dehors de l'Inde, out of India, pour inonder la planète de l'amour to flood de Dieu. The whole world with love of God. Or, si on regarde ces deux histoires, so if we look at those both stories, Gauridas Pandit est tellement exalté, comme Ridanda. Gauridas Pandit had very exalted devotees. On connaît cette histoire. Un jour, Gauridas Pandit s'est absenté et il a dit à Ridanda, son disciple, occupe-toi des déités. One day, Gauridas Pandit had to leave and he told. Là, c'était pas des déités ordinaires. Vous vous rappelez l'histoire, hein, quand le Seigneur Nitai et Chaitanya sont venus pour consoler, ils ont pris les formes de déités. Hein. Donc so c'est pas des déités ordinaires. So actually, Chaitanya and Nityananda took the form of the deities. Et donc Gauridas Pandit bientôt venait le jour de Gaur Purnim. So Gauridas Pandit came for the. Et Gauridas Pandit revenait pas. And Gauridas Pandit wasn't coming back. Donc Ridanda, son disciple, il s'est dit bon, la fête quoi. So his disciple said, okay, I have to organize the festival. Donc il a envoyé des invitations à tous les associés. He sent invitations to all the associates. Et quand Gauridas Pandit est revenu, Gauridas Pandit came back, il était en colère contre lui. He was angry. Il a dit, quoi ? T'agis indépendamment de moi ? You're acting independently from me. And he chastised. Et donc, le jour est arrivé, donc, où le festival, les Mahanta, les grands Vaishnavas sont venus. The festival started. Et ils ont fait ils ont commencé d'une façon tellement puissante. So powerful. Et là, à ce moment-là, les deux déités sont sortis de l'hôtel, ils ont dansé avec tous les Vaishnavas. Et quand Gauridas Pandit a vu que les déités n'étaient pas là, il a pris
bâton, et quand il les a vus danser, il a couru après pour qu'ils reviennent dans l'hôtel. Gauri Das Pandit saw that the deities had disappeared. He went with a stick after them and told Goranita, them to go back. Et là, Gauri Das Pandit, ils sont entrés dans le cœur de Rida. And they were afraid of the stick, so they jumped in the heart of Rida. Et là, quand Gauri Das Pandit, il a vu la grandeur de son dévot. So when Gauri Das Pandit saw the il l'a pris sur ses genoux, il a pleuré. He took him on his lap. Aujourd'hui, tu t'appelles Hridaya Chaitanya. And he said, your name is Hridaya Chaitanya. Parce que le Seigneur Chaitanya est directement entré dans ton cœur. Because Chaitanya Mahaprabhu went in your heart directly. Donc, Gauri Das Pandit avait tellement de. So Gauri Das Pandit had so many exalted disciples. Par exemple, Shyamananda, on connaît l'histoire de Shyamananda que Radharani elle-même a donné un mantra et elle lui a fait. Filiation spirituelle, les Shyamanandi par exemple. Like Shyamananda, that Radharani gave. Elle a directement manifesté. Elle a directement manifesté son cœur. Elle lui a donné. She directly manifested a deity of Krishna and gave it to. Donc on peut pas imaginer le calibre des disciples. Hein. So we can't even the disciples of Gauri Das Pandit. Mais j'ai pas personnellement entendu parler que Gauri Das Pandit ait été dans les pays occidentaux partout prêcher. Mais par contre, il avait reçu cette tâche du Seigneur Mahaprabhu. Donc ça devait s'accomplir. So it had to happen. Donc moi, je crois à ça, que Subal est revenu, Gauri Das Pandit est revenu. So I really think that Gauri Das Pandit came volonté du Seigneur Mahaprabhu. To accomplish the will of Chaitanya Mahaprabhu. Et si Shila Vaishnava Bhakti Antaswami Prabhupada est né ce jour de Nandotsava, and if Prabhupada was born on this day of Nandotsava, c'est pas anodin. It's not. C'est qu'il est venu véritablement pour anodin, tu ne connais pas. C'est pas ordinaire. It's not ordinary. Hein? S'il est venu, c'est pour faire apparaître Krishna dans ce monde. He came to bring Krishna to the world. Et ce qui est merveilleux, personnalité. And what's wonderful, this person. Alors, on va expliquer bien que les associés du Seigneur viennent. Our Acharya has explained that. The Lord come. Avant, je voudrais faire un point. Dans le Priyo Bhakti Rasanarva, c'est expliqué que les dévots comme Sudama, it's explained in the qui sont des amis très proches de Krishna, très 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 proches. Dame, imaginez-vous, quand Chaitanya Mahaprabhu a commencé son mouvement, Mahaprabhu a pas. Shridam n'était pas avec lui. Imaginez-vous la calibre de Shridam. Mahaprabhu, il ne voulait pas commencer à distribuer. Mahaprabhu want to distribute till Shridam wasn't with him. Il a dit à Nita, va chercher Shridam. Il est dans une grotte vers Govardhan. He's next to. Donc je ne vais pas raconter l'histoire, je vais raconter l'autre jour. Mais en fait, quand Chaitanya Mahaprabhu a rencontré, quand Shridam donc est venu à Navadvip pour rencontrer Chaitanya Mahaprabhu. So when Shridam went to meet Nitai et Chaitanya donc ont donné la forme. D'Abiram, un Thakur, à Shridam. So Nitai and Chaitanya gave the form of Abiram to Shridam. Et après, quand Abiram Thakur et Chaitanya Mahaprabhu, ils ont été à Vraj ensemble. So when Abiram and Chaitanya Mahaprabhu went to Vraj together. Tellement Mahaprabhu était absorbé en Krishna avec Abiram Thakur. Mahaprabhu was so absorbed in Krishna Prema with Abiram Thakur. Que c'est expliqué que Mahaprabhu avait oublié sa mission. It's explained that Mahaprabhu had forgotten his own mission. Non, pas imaginer. Le Priyo Bhakti Rasanava
Shridham, Vasudham, Susudham et Kinkini, ce sont les manifestations de l'ego du Seigneur, l'intelligence, son mental, etc. So it's explained that all these sukkas are the manifestation of the ego. C'est pas des êtres ordinaires. It's really not ordinary. Donc quand de tels associés comme Subhal, qui est une manifestation de Shrimati Radharani, like dans le prière namaste viennent, a manifestation of Radharani, when they come, on ne peut pas imaginer le calibre de ces dévots, ils sont illimités. We can't imagine the caliber of these devotees. C'est impossible. Et pourtant quand ils viennent, par l'action de Yogamaya, by the action of Yogamaya, on ne peut pas les reconnaître. Avyaktamitapanam. Le Seigneur suprême, quand il vient même dans ce monde, en tant que Krishna, les êtres ordinaires ne peuvent même pas comprendre sa nature. Ordinary people can't even understand the nature of Krishna when he comes. C'est pourquoi la même chose existe avec les compagnons du Seigneur suprême. So the same thing exists with the companions. Et on l'a vu, en fait, dans la vue de Srila Swami Prabhupada, on l'a vu que apparemment il a traversé tellement de tests. Of Srila Prabhupada, that he went through so many tests. Mais pourquoi? Why? Pour nous apprendre à devenir un disciple. To teach us to become a disciple. La particularité, what's very special about his teachings, c'est comment satisfaire le maître spirituel. Is how to satisfy your Gurudev. Toute sa vie, il a satisfait Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada à satisfaire ce désir de cœur. He engaged himself to satisfy the desire of his Gurudev, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Tout ce que son Gurudev voulait, il l'a fait. All what his Gurudev wanted, he did. Il est venu pour montrer atteindre la perfection en suivant l'instruction du Guru. He came to show us that we can attain perfection. Et d'autres choses encore parce qu'il est illimité. And so many other things because he is illimited. C'est pourquoi c'est difficile de parler d'une telle personne. And that's why it's very hard to speak about such a person. Et il est notre maître spirituel à tous. And he's our spiritual master to all of us. On ne peut pas sa miséricorde progresser. On ne peut pas sans sa miséricorde comprendre la nature de la dévotion. We can't understand the nature of devotion. Parce qu'il est venu avec un pouvoir spécial de la Goloka Vrindavan. Il est venu pour des êtres aussi misérables que nous. He came for such miserable people like us. Pour des idiots les plus bas. Ils sont nés en Inde. Ils sont nés dans une famille Vaishnav. You were born in Vaishnav. Jamais accompli une seule activité pécheresse. Il parle sanskrit. Moi, je parle même pas anglais. J'arrive English. Même pas à prendre des versets, des shlokas. I have a hard time learning shlokas. Progresser. How can we progress? Parce que un Vaishnav est venu du monde transcendantal. Because a Vaishnav came from the transcendental world. Il a cassé toutes les règles. Il nous a permis à nous mlecha. He made us mlechas, d'avoir la même miséricorde. Have the same mercy as you. La même miséricorde. Un jour, il y avait une querelle entre parfois les dévots qui étaient nés en Inde et ils avaient une vision des dévots occidentaux qui n'était pas toujours très bonne. A misunderstanding of the devotees that were born in India on the. Et ils disaient dans leur prochaine vie les occidentaux ils pourront renaître en Inde. And they were saying in their next life the Western devotees will be able to be born in India. Vous savez ce que ce devotee said? Il a dit eux dans leur prochaine vie ils pourront distribuer des livres sur les parkings en Occident. He said. Il a dit des Indiens dévots. Ouais. He said he told the Indian devotees, maybe in your next life you will be able to go in parking lots in the Western countries to distribute books. Par sa yes. Par sa puissante miséricorde. By his powerful. On a pu recevoir cette même miséricorde.
we receive this. On peut pas être séparé de lui. So we can't be separated from Moi, him. Par exemple, beaucoup de gens me critiquent en disant que je suis séparé de lui. A lot of people criticize me saying que that je l'ai rejeté. I rejected him, that I'm separated. Mais parce qu'ils from connaissent him. Pas mon cœur. It's because they don't know my Moi, je refuse. C'est juste le mettre au-dessus de tout le monde. The only thing I refuse is on top parce of que everybody c'est pas else. Sa façon d'être. Because that's not who he is. Il est très humble. He has a lot of love. Au point que, comme on dit, Srila Bhaktinandan Swami Maharaj a expliqué qu'il était, qu'il, comme si qu'il avait donné presque sa mat à Srila Maharaj. He was so humble that even Bhaktinandan Swami Maharaj told us that he Donc gave moi, his own. Moi, ce que je refuse et ce que je n'accepterai jamais dans mon cœur. What I refuse and that I will never accept in my heart. C'est cette vision qu'on a de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Que c'est le seul et qu'on n'aura plus jamais. On est dans une grande famille. We are in a big family. Le Radharani enverra des associés encore et encore. Parce que si elle ne nous envoie pas ses associés, if she doesn't send her associates, comment le Siddhanta, les conclusions vont rester pures. How will the Siddhanta will stay pure? Comment on va pouvoir comprendre ce que c'est transcendantal? How will we understand what it is to have transcendental ce feelings? N'est pas possible. Bhaktivinoda Thakur explique il y a deux sortes de voies. Bhaktivinoda Thakur. Nimittika Dharma. Nimittika Dharma. Et Nitya Dharma. Nimittika Dharma, c'est la religion qui est donnée dans les circonstances et qui disparaît graduellement. The first one is the religion that appears and that disappears gradually. Pourquoi elle disparaît? Why does it disappear? Parce qu'il n'y a pas de dévots qui sont envoyés par le Seigneur pour garder la voie pure. Because there are no devotees that are sent by God to keep it pure. Et elle est interprétée. So it's interpreted. Mais le Nitya Dharma est complètement différent. But Nitya Dharma is different. C'est que le Seigneur continue à envoyer des dévots pour qu'elle reste pure. Because God continues to send devotees for to stay pure. C'est pourquoi, bien que Bhaktivedanta Swami Prabhupada soit dans mon cœur, so even if Bhaktivedanta Swami is in my heart, il y en a d'autres. There's also others. Et il y en aura encore d'autres. And there'll always be others. On fait partie d'une grande famille, la World Vaishnava Association. We're part of a big family, the World Vaishnava Association. Et on n'en met pas un au-dessus de l'autre. And we don't pas notre philosophie. That's not our philosophy. Sorry to intervene. What did you mention? Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. I didn't finish. When you said that he was so humble that he even gave his to Bhakti Rakshakar Sridhar Dev Maharaj. He gave the guidance to Sridhar Dev Maharaj of his disciples. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, you gave me guidance. He gave the guidance. You said the guidance of his disciples to your Gurudev. It shows his humbleness. Hmm. Prabhupada wanted give the guidance of the Chantradaya to Sridhar Maharaj to look. Okay, gave me yes. Having that response yes. Of guiding his disciples. Yes. Okay, it's clear. Just. Le principe, c'est que si on met un Vaishnava au-dessus des autres, qu'on en glorifie un et qu'on rétrécit les autres. The principle of devotion, if we put one Vaishnav on top of the other, saying the other ones are lower. Alors on peut. So we'll never know the transcendental world. Et on connaît en ce moment un énorme problème à cause de ça. And there's a big problem because. Chacun glorifie son gourou comme le meilleur. Everyone is glorifying their guru as the best. Alors c'est normal que le disciple a une place, que le diksha guru a une place dans le cœur du disciple. So it's normal. Guru has a special place in the heart of the disciple. Mais si le guru est vraiment manifesté, but if the guru really manifests himself, alors il se sent le plus bas par rapport aux autres Vaishnavas. Always thinks he's lower than all the other Vaishnavas. Et il suivra les traces de son maître spirituel.
And he follows and the disciple will follow in the traces le principe, of his c'est qu'il glorifiera les autres Vaishnavas. And the principle is that he will glorify other Vaishnavas. C'est pourquoi automatiquement Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada nous a enseigné ça. That's why Bhaktivedanta Swami Prabhupada on a besoin aujourd'hui de faire connaître And we have to show this aspect to C'est très 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 important. Je vais vous donner un exemple. J'ai été contacté par un dévot une fois. One day I was contacted by a devotee. Et j'ai parlé de Bhaktivedanta. And we're speaking about Bhaktivedanta Prabhupada. Et il me disait oui, lui il a besoin de rien, tout émane de lui. He was saying he doesn't need anything, everything is emanated by him. Et Yagesh Prabhu était témoin à Mayapur. And Yagesh Prabhu was se levé à 3h du matin pour voir Bhaktivedanta Swami Prabhupada en train d'écrire ses livres avec son dictaphone. And he see him in the morning to translate with his dictaphone. Et il avait tous les commentaires des acharyas sur le Bhagavata. And he had all the commentaries the acharyas. Alors quand je lui ai dit ça, il n'a pas voulu croire. But so when I told him this devotee didn't want to believe. Bien sûr de tels dévots ils savent tout. Of course, such devotees, they know everything. Mais ils nous montrent l'exemple. But they're showing us the example. Et c'est une de ses autres contributions. And that's also one of his contributions. C'est qu'il a marché dans les traces des acharyas. That he walked on the steps of other Il nous acharyas. A appris à écrire. He taught us how to Il nous a appris à parler. To write, how to Il nous talk. A donné une demeure. He gave us a Il house. Nous a appris à nous habiller. He taught us how to à dress, mettre un tilak. How to put a tilak. À chanter. How to par rapport à ses maîtres spirituels. But regarding his spiritual master, il n'a rien inventé. He didn't invent anything. Il a montré comment suivre dans les traces. He showed us how to just follow the steps. C'est pourquoi, véritablement, si on suit sa carrure, That's why if sa beauté, his beauty, son amour, his love, on deviendra simplement un serviteur amoureux de tous les Vaishnavas. We will become servants with love of all the Vaishnavas. On verra pas une institution. We won't see an institution. Mais on pourra voir sa forme éternelle à Golok Vrindavan. We'll be able to see his eternal form in Golok Vrindavan. Sans comprendre le sentiment interne d'un gourou. If we don't understand the internal feelings of a guru, on peut faire beaucoup d'erreurs. We can make a lot of mistakes. Donc le but d'un disciple, c'est de comprendre l'humeur de son gourou. So the goal of a disciple is to understand the mood of his guru. Et je prie aujourd'hui sa divine grâce, car ce jour-là, on peut prier directement. So c'est expliqué. I pray directly on peut avoir to le him. Darshan directement. We can have direct darshan. Je prie pour que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada me prenne dans I pray that Bhaktivedanta Swami Prabhupada takes me in his direct family. Et qu'il me permette d'être éternellement avec lui. And he lets me be eternally with him. C'est mon plus cher désir. My most important dream. Et aussi qu'il nous aide, parce qu'il est le détenteur de la miséricorde de Nityananda pour distribuer la puissante miséricorde d'aider les êtres. And like he has the strength of Nityananda. Helps us. Qu'il nous permette d'avoir juste une poussière de sa miséricorde pour aider les gens qui sont dans ce monde et qui souffrent. That he gives us just a drop of his mercy to help people in this world. S'il te plaît, Prabhupada Bhaktivedanta, aide-nous. Please help us. Hein, et fais qu'on soit miséricordieux pour aider les autres. And let us be merciful to help other people. Jai, Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj ki jai. Jai. Un cours média spécialement aux disciples ici dans ce temple qui est que nous avons observé ici dans ce temple We saw in this temple, depuis plusieurs années during few, a lot of years, qu'il y a de l'Inde qui vient There has been sannyasis from India that are coming. Et je vous invite tous chacun après les autres, garçons et filles, And I invite all of you de comprendre les vérités ontologiques de cette conscience de Krishna.
the truth of Krishna consciousness. Ontological basic foundation. Et Prabhupada, quand il est venu à Paris, moi j'avais 22 ans. When Prabhupada came to Paris, I was 22. Et nous ne comprenions rien à rien. And we didn't understand anything to anything. Mais comme je dis dans ma lettre, nous avons cru en lui parce que il a cru en my letter, we believed in him because he believed in us. Ce n'est pas que dans un sens. It wasn't only in one way. Et les maîtres spirituels ne sont pas des maîtres spirituels à penser. Spiritual masters are not only spiritual masters that think. Les maîtres spirituels sont des maîtres spirituels à vivre. They are spiritual masters who teach us how to live. How to live. Yeah. Et tout ce que nous sommes, nous allons dans l'année prochaine avoir des ups and downs, des coups où nous ne comprenons plus rien. All of us in our lives we're going to have ups and downs, moments where we won't. Parce que l'énergie matérielle est là pour nous capturer. Because Maya is there to captivate us. Alors très brièvement, lorsqu'on va en go to India, quand on rencontre Sridhar Maharaj, when we meet Sridhar Maharaj, qui sont des monuments, who are monuments? Prabhupada à Paris nous a tout donné. Prabhupada in Paris gave us everything. Sridhar Maharaj a dit, afin de mieux comprendre votre maître spirituel. Sridhar Maharaj says, in order to understand better your spiritual master. Vous venez à moi et moi je vais vous révéler des choses encore plus sur votre maître spirituel qui était mon frère. Things, even more things. On your spiritual master, who is my brother. Donc ici, sans vouloir faire des choses, dire des choses exagérées. So without exaggerating. Je veux dire que des personnes de la qualité de Nandan Maharaj ici. People with the quality. Sont des personnes qui, au regard des autres traditions bouddhistes, chrétiennes, si vous analysez sérieusement. Who are people regarding other religions like Buddhists, Christians? Ce sont des personnes qui ont des personnes authentiques, d'une tradition authentique en Inde, dans des maths qui ont plusieurs centaines d'années. There are authentic people that come from authentic temples from maths that are since many, many years. Et donc ces personnes viennent ici dans ce temple depuis des années. They come here in this temple since a lot of years. Et Prabhupada nous a dit clairement, il nous l'a dit, nous ne l'avons pas lu dans un livre, il nous l'a dit en face. Prabhupada told us. Et l'association des Vaishnavas est la plus importante de tout. Association with Vaishnavas is what's the most important. Par fanatisme pour rester un petit groupe. By fanaticism to stay a little group. Mais parce que cette ambiance des gens qui parlent d'en haut nous permettent de communiquer avec le peuple, les gens qui sont des âmes comme nous. Because people that are coming from above, they'll help us to speak with people that are from outside that are like us. En conséquence, je remercierai toujours Maharaj Yati ici. Et Lalita Dasi aussi qui fait un travail extraordinaire. And to Lalita Saki here. They are making such a wonderful job. Tous ces merveilleux serviteurs ici. And all the devotees here. Et donc je vous invite à vivre une vie équilibrée. So I invite you to have a harmonious life. Et pratiquer votre conscience de Krishna tranquillement. And to practice it. Practice your Krishna consciousness. En conscience. With consciousness. Hare Krishna, merci. Hare Krishna. À quelle heure c'est l'article? Midi 30? Hein? 13h. 1 o'clock. So we have lunch prasad before 1 o'clock. Avant l'arti. Moi c'est pas, moi j'ai pas de problème. Lui il te.
Moi, non problème. Je peux jeûner. Pas de problème. Disons que d'habitude, on fait des... Non, il te demande en fait. Ok. On peut faire on peut faire un bhajan. Et puis après, prochaine. Hein? C'est après, les dévots, peut-être ils sont fatigués, ils ont faim. C'est my suggestion that better to accept prasad after aroti than it will be okay. Good for management. Otherwise. Il dit ce sera plus pratique peut-être après l'arti. Ok, d'accord. More about Nandotsava. Yes. I want to hear more from you about Nandotsava. Yes. Donc, avant de parler, je prie la miséricorde de Srimati Radharani. So before speaking, I will beg the mercy of Srimati Radharani. Parce que la chanteuse de toutes les gloires de Krishna. Because she has in her all the glories of Krishna. Il est possible sans sa miséricorde de prononcer une seule parole. And without her mercy, I can't say a word. Et comme je suis un petit dévot et que j'ai peu de connaissances, deux fois pour moi c'est difficile. So speaking twice is difficult for me. Mais si Bhaktinandan Swami Maharaj me l'ordonne, asks me to. Alors, c'est doublement difficile parce qu'il faut que je tienne son ordre sur ma tête. Harder because I have to hold his order on my head. We have not heard much about Nandotsava from you, so we can hear more nectar. Donc, je vais rester dans cette position avec son ordre sur sa tête, sur ma tête. Donc, de Anandam Vrindavan Champu explique de la manière merveilleuse comment Krishna est apparu. Yashoda ressemblait à un océan d'amour. Yashoda looked like an ocean of love. Et quand les gopis ont mis Krishna contre elles, and when the gopis they took Krishna again to against him. Krishna était semblable à un lotus bleu. Krishna looked like a lotus. Qui était a blue lotus. De nectar transcendantal. Who was in an ocean of transcendental nectar. Alors naturellement Yashoda avec l'aide de ses amis. Alors ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que ses amis sont venus l'aider pour lui apprendre à donner la tétée. So what's very extraordinary is that her friends came to teach her how to breastfeed her son. Elle est la mère divine. Elle est l'origine de toutes les mères. But she's the divine mother. She's the origin of all the mothers. Mais c'est ça la beauté du monde transcendantal. That's the beauty of the transcendental world. Bien qu'elle soit la professeure. Even if she's the teacher. La plus experte. The most expert. Et que la qualité de son lait est tellement élevée. Of her milk is so elevated. Mais elle reçoit l'aide. But she receives help. Et elle met son téton dans la bouche de Krishna. And she gives milk to Krishna. Alors c'est expliqué que quand Mère Yashoda donne la tétée à Krishna, elle a besoin d'un effort. Son prême est tellement puissant que le lait coule à flot. So to explain that when she breastfeeds Krishna, her love is so strong that she doesn't have to make any effort. Et her milk flows. Et l'appétit de Krishna, de l'amour, est illimité. And the appetite of Krishna for the love of his devotees is illimited. Et éternellement, il y a une compétition. And there is eternally a competition. Entre le lait de Mère Yashoda qui coule. The milk of Yashoda who's flowing. Et l'absorption. Du prema sur la forme du lait hein, que Mère Yashoda donne à Krishna. And the absorption on the, in the form of milk that Krishna is, of the prema that Krishna is taking. Krishna. When Krishna. C'est un flot de baisers. It's a flow of de baisers. De baisers. It's a flow of kisses. Pourquoi que les habitants de Vrindavan ils ont un pouvoir spécial
pour goûter hein, le Seigneur suprême. Because the inhabitants of Vrindavan have a special power to taste the love of Krishna. On ne parle pas d'un baiser. We're not talking about a kiss, mais des millions et des millions de baisers. Millions of millions of kisses. Pourquoi? Parce que le monde transcendantal est différent du monde du temps matériel. Le monde transcendantal est différent du temps matériel. The transcendental time is different than material time. Par exemple, quand les gopis elles ont accompli la danse rasa. Gopis accomplished the rasa dance with Krishna. Bien que ça paraisse une nuit de durée ordinaire. Even if it looked like an ordinary night. Cette nuit elle s'est allongée comme une nuit de Brahma. It went on like a night of Brahma. Ce qui représente quatre âges fois mille. Which is like four ages multiplied by a thousand. C'est pourquoi Krishna donne toujours la satisfaction à ses dévots complets. Krishna always gives total satisfaction to his devotees. Dans ce monde transcendantal, personne n'est délaissé. In this transcendental world, no one is left apart. Tout le monde est satisfait d'une manière. Illimité. Everyone is satisfied in an illimited way. C'est pourquoi l'envie n'a pas sa place dans ce monde transcendantal. Envy doesn't have his place in this world. Pourquoi on est envieux, nous? Why are we envious? C'est parce qu'on est privé par notre mauvaise attitude de cette affection. Because we are deprived by our bad attitude. Or, naturellement, Krishna, il vient pour Krishna comes from for all his devotees. On ne devrait jamais penser qu'on n'a pas une place spéciale avec lui. We should never think we don't have a special place with him. Alors bien sûr, on ne peut pas remplacer Srimati Radharani. Of course, we cannot replace Radharani. Ou Mary Yashoda. Ou Shridham. Or Shridham. Subal. Ou Lalita Sakhi. Ou Vishaka. Lupa Manjari, etc. Rati Manjari, etc. C'est pas possible. We can't replace them. That's not possible. Parce que notre vie, c'est d'être engagé dans leur service, dans le fait qu'ils puissent apporter plus au couple divin. Because our life helps them to bring even more joy to the divine couple. Mais ils sont tellement But they are so merciful. Que naturellement, on obtient la même miséricorde. That we can also obtain the same mercy. C'est pourquoi quand le Seigneur est apparu, il n'est pas apparu juste pour Mary Yashoda, juste pour Nanda Maharaj. Par exemple, dans ce matériel, quand on a un enfant, world, child, on est très égoïste. Very c'est mon enfant. Selfish. C'est le we mien. Think it's only my child. Je veux juste échanger des bisous avec lui. C'est mon objet d'affection. It's my own object of affection. Mais dans le monde transcendant, but in the transcendental world, it's not at all the same. Au point que tout le monde pense que Krishna, c'est moi qui m'aime le plus. At the point that everyone thinks that Krishna loves him the most. Chaque dévot pense. Devotee thinks that. Comment c'est possible? How is it possible? Parce que c'est la miséricorde de Shri Radharani. Krishna s'expand en tellement de formes. Krishna expands himself in so many forms. Quand il est massé par des sakas dans un endroit. When he's being massaged by sakas, il est aussi massé dans d'autres endroits. He's also massaged in other c'est places. Quelque chose d'inconcevable. Something that's inconceivable. C'est pourquoi, de la même manière, quand des grands Vaishnavas comme Asebhaktivanta Swami Prabhupada viennent, so in the same way, when there's big Vaishnavas like par la miséricorde de Srimati Radharani, by the mercy of Radharani, hein, alors chaque disciple peut être avec le maître. Every disciple could have a special mercy with his master. Un véritable disciple, il pense toujours mon maître m'aime. A real disciple thinks my master loves me. Même si le maître peut le critiquer parfois ou le châtier parfois. Even if he can be chastised by his master sometimes. Il pense jamais que mon maître est méchant. He never thinks my master is mean. Il pense toujours plus grand bien. He always thinks it's for the best of me. Les disciples Prabhupada comme Bhakti Charu Swami. Bhakti Charu Swami. Les disciples Bhakti Charu Swami. The disciples of Prabhupada like Bhakti Charu Swami. Voilà. Ils avaient tellement d'amour pour Prabhupada. They had so much
love for Prabhupada. Que il a dit une fois, s'il nous avait demandé de nous jeter par la fenêtre. He said once that if Prabhupada had asked him to jump from the window. Sans même discuter, on s'est jeté par la fenêtre. Without even discussing, we would have jumped from the window. C'est ça, ta guru. That's the beauty of a real guru. C'est qu'il se donne. He gives himself. Il se donne pour que les êtres déchus puissent obtenir le plus grand bien. He gives himself like that all the people could have what's the best. Or, quand un disciple reçoit cette affection du gourou. And when a disciple receives the affection of the guru. Cette grâce. This grace. Qu'est-ce qu'il peut faire quand lui demande saute par la fenêtre? So what can he do when he asks him to jump from the window? He jumps. Pourquoi? Parce que il peut pas agir indépendamment. Because he cannot act independently. Quand on n'est pas un parfait disciple, when we're not a perfect disciple, on ne suit pas les instructions. We don't listen to the instructions. C'est difficile d'être un vrai disciple. To be a real disciple. C'est pourquoi les Écritures expliquent que rare un véritable maître spirituel. That's why the scriptures say that it's very rare to have a real spiritual master. Mais encore plus rare un véritable disciple. But it's even rarer to have a real disciple. Un jour, pour glorifier Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. One day to also glorify Bhakti Pramod Puri Maharaj. Il y a une personne d'ISKCON qui est venue le voir. There's a ISKCON disciple that came to see him. Et Pramod Puri Goswami Maharaj. He wants to take refuge in Bhakti Pramod Puri Maharaj. Et Shila Bhakti Pramod Puri Maharaj lui dit, mais pourquoi tu veux prendre refuge de moi? And Bhakti Pramod Puri Maharaj said, why do you want to? Il y a des personnes très qualifiées dans l'ISKCON. Comme Bhakti Charu Swami. Like Bhakti Charu Swami. On ne devrait jamais penser qu'il n'y a pas de purs dévots dans l'ISKCON. C'est simplement parce qu'on n'a pas les yeux pour voir. Est-ce qu'on pourrait penser qu'une personne comme Ase Bhakti Charu Swami Prabhupada n'ait pas pu faire un seul pur dévot? How can we think that a person like Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada could not make pure devotees? Je pense que il a une mentalité infernale. The one who can think that has an infernal mentality. Et est-ce que vous pensez qu'une personne qui détient la miséricorde de Nityananda? Do you think someone that has the mercy of Nityananda? Il peut pas faire un pur dévot? He cannot make a pure devotee. Deux, two, trois, three, quatre, four, etc. Quand j'entends, moi, dans la Diamat, qu'il n'y a pas de pur dévot dans l'ISKCON, ça me donne envie de pleurer. When I hear in Gaudiamat that there's not pure devotees in ISKCON, it makes me want to cry. C'est pourquoi, par sa miséricorde, on doit avoir le bon respect envers chaque mat. That's why, with his mercy, we should have good respect towards every mat. Envers chaque religion. Every religion. Et considérer que la miséricorde and consider that du Seigneur suprême touche tout le monde. Of God touches everyone. Une fois, ses disciples l'ont approché. One day, Prabhupada. Ouais. One day, Bhaktivedanta's disciples approached him. Il a dit, ça serait tellement bien si les musulmans chantaient Hare Krishna. They would chant Hare Krishna. Il a dit, mais pourquoi tu veux qu'ils chantent Hare Krishna? Ils n'ont qu'à chanter le nom de Allah. Why do you want them to chant Hare Krishna? They should chant Allah. C'est ça la beauté d'un pur dévot. That's the beauty of a pure devotee. Parce que, alors bien sûr, un Rasika, Vaishnav comme ça, les divertissements du Seigneur se manifestent à Goloka, toujours présents en lui. Of course, such a Vaishnava, a Rasika Vaishnava, the pastimes of the Lord are always present in him. Il a un rasa particulier. He has a special rasa. Mais par l'arrangement du Seigneur suprême, by the arrangements of the Lord, il peut aussi, comme Arjuna, il a pu voir la forme universelle. He can also, like Arjuna, who saw the universal form. Un tel dévot, il peut aussi voir comment le Seigneur suprême s'occupe de chacun dans ce monde matériel.
such a devotee can also see how the Supreme Lord takes care of every person in this world. Pourtant, Arjuna, il était tellement qualifié qu'il pouvait voir la forme universelle. Arjuna was so qualified that he couldn't see the universal form. C'est une vision inférieure réservée aux demi-dieux. It's a vision that's only reserved to Vishvanatha Chakravarti explique devotas. Ça. Vishvanatha Chakravarti. Donc, quand il a donné les yeux divins pour voir cette forme, c'est une c'est inférieur. So when he gave this the eyes to see the form, it was actually inferior vision. De la même manière, tous ces grands dévots. So in the same way, all these big Krishna leur a donné le pouvoir de nous harmoniser avec toutes les voix. Krishna gave them power to comprendre, comment dire, le sentiment de chacun. To harmonize with all different paths and to understand each other. Bhaktivinoda Thakur explique que quand on va dans un endroit qui est différent de notre pratique. Bhaktivinoda Thakur explains that if we go in a place that practices different On ne devrait pas être comme un Kanishta Bhakta, un matérialiste habillé en dévot. We should not be like a materialist dressed up as a devotee. Et de voir simplement les fautes chez les autres. And also only see faults in others. Pour garder notre foi. Just to keep our faith. Mais on devrait se dire, ils adorent ce même Seigneur, mais différemment. But we should think they're loving the same God, but just differently. C'est pourquoi, naturellement, d'accord que plus la conscience de Dieu est élevée, that's why we all think that more the conscience of God is elevated, et plus on devrait comprendre toutes les consciences de Dieu, and more we will understand all the consciousness of God. C'est pourquoi un véritable Vaishnava, c'est quelqu'un qui apprécie les autres. That's why a real Vaishnava loves and appreciates others. Et qui encourage chacun dans son foi à avancer. And who encourages everyone to progress. Le fanatisme, ce n'est pas la véritable conscience de Krishna. Fanatism isn't the real Krishna consciousness. Et Bhaktivedanta Swami Prabhupada nous a pas appris le fanatisme. And Bhaktivedanta Swami Prabhupada didn't teach us fanatism. Je pense que ces enseignements, parfois, ça nous amène à nous couper de tout le monde. Sometimes we may think that what he taught us cut ourselves from everyone. J'ai vu certains dévots me parler des chrétiens comme des vers dans des excréments, par exemple. Some people of Christians as worms in stool. Mais je pense que si on suit vraiment les enseignements des grands Vaishnavas, but I think if we really follow the teachings of the great devotees, alors on va pouvoir comprendre la conscience de chacun. To understand the conscience of everyone. Et la respecter avec une profondeur. And respect everyone with, c'est très important. Depth. Tu veux dire quelque chose? Non, c'était juste que lorsque Maharaj dit qu'il refuse dans sa vie de mettre un maître spirituel ici, l'autre ici, faire des... Bon, naturellement, on comprend qu'il y a des maîtres spirituels très exaltés qui ont fait beaucoup de disciples, etc., et d'autres plus humbles. When Maharaj says that he refuses to put one spiritual master above the other. Mais le point de Sridhar Maharaj, écoutez bien ce qu'il dit. Sridhar Maharaj says. Il a dit de faire des différences comme ça des maîtres spirituels. He said making differences between spiritual masters. N'a aucune réalité ontologique. Has no reality. Ontologique. Pourquoi? Why? Ontologique, ça veut dire quelque chose, une réalité profonde, has no culturelle, deep religieuse, tout. Cultural meaning. Ça n'a aucun sens. It has no sense. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, ils sont tous des gourous. Because in the spiritual world, they're all gurus. Donc, ça n'a aucun sens de dire lui de rabaisser, vous voyez, de faire. Ça n'a aucun sens, puisque ils sont everything to the center. Tout le monde sont des gourous dans le monde spirituel. Et c'est vers ça que nous allons. Because there are all gurus in the spiritual world, and that's where we're going, that's donc, where we're heading. Bien qu'il y ait naturellement des spirituels qui sont avec... Sridhar Maharaj dit une chose. Il dit,
Bhaktisiddhanta a été initié par Jagannath Das Babaji, Gorkhisor Das Babaji. Sridhar Maharaj says that Bhaktisiddhanta was initiated by Gorkhisor Das Babaji. Mais combien de disciples a eu Gorkhisor Das Babaji? How many disciples had Gorkhisor Das Babaji? Il a eu un seul. He only had one. Mais ce un seul, il a fait des millions de disciples. But this only one made millions of disciples. Vous voyez, donc, on ne peut pas, vous ne pouvez pas vous amuser comme ça à faire des comparaisons. So we can't compare between. Shila Gorkhisor Das qui, Guna Manjari qui, c'est une des huit Asta Manjari Guna qui Gorkhisor. Il n'a eu qu'un disciple. Uh-huh. Yes. El Bali, El Bali. El Bali la poussière. Aho bhagyam, aho bhagyam, nanda gopo brajau kasham. Jan mitrang paramanandam purna brahma sanatanam. Today is a very... Also, a very special day. Aujourd'hui, c'est aussi un spécial. For all of us, a special day for Nanda Maharaj, Mother Divine, Mother Yashoda. Therefore, very, very special day for all of us. Spécial pour nous tous et pour Nanda Maharaj. You know, it is, we all know that today jubilation, you know, some very enthusiastic jubilation, accelerations, because Lord Krishna has appeared yesterday. C'est un jour de très très grande fête parce que Krishna est apparu hier. So, if we go to Braj today in Vrindavan, si on va à Vrindavan aujourd'hui, we can feel, we can see with our own eyes and feel into the mood, greatly festive, festive mood everywhere. Vous pourrez voir avec vos propres yeux l'atmosphère de la fête partout. Very colorful, everywhere is all colorfully decorated. Tout est décoré de manière très colorée, avec plein de fleurs. Like such decorations, and also filled with milk and yogurt, all milk products and laddu. Il y a des fleurs, laddus. Mais il y a aussi plein de produits laitiers, de yaourt et de laddu. Yes. Ah. Il y a du playing, théâtre aussi. Playing, yes. Playfulness everywhere. Like celebrating the divine appearance of Krishna. Okay, their beloved Lord, celebrating everywhere. Partout on célèbre l'apparition de leur de leur Dieu. That the celebration of Lord Krishna's divine birth doesn't stay limited within only temples there, but all outside the temple, every house, every residence, almost. La célébration de leur petit Krishna n'est pas que dans les temples. Dans chaque maison, partout, partout, c'est la fête. Braj, Braj. Maybe except few, some people who are not really those outwardly, superficially residing on land of Braj, but not Brajabashi, except them, in every house we find the natural joyful celebrations today. Dans chaque maison, il y a cette joie de la célébration, à part quelques maisons qui ne sont pas vraiment des Brajabashi. And one of the great stuffs used in the celebration, cow dung,
cow's milk, all the products made up pure, happy, from the happy cows. Okay, and the cows are also decorated all over. Alors, tout ce qui vient de la vache, des belles et joyeuses vaches de Vrindavan, le lait, la mousse de vache, et les vaches aussi, elles sont décorées. I'm just giving you some basic idea. And also, some rich persons don't want to miss this opportunity today of giving some cows to some temple in charity. Milk-giving cows. Il y a même des personnes qui sont fortunées, qui ne veulent pas perdre cette opportunité, et ils offrent des vaches laitières au temple. Because they believe in, they fully believe in, oh, giving some milk-giving cows in the service of the temple deities today, following in the footsteps of the king, great, great, glorious king, okay, will certainly bring a great virtue, great spiritual merits in their life. Parce qu'ils croient que en suivant les pas de leur grand roi Nanda Maharaj, en offrant une vache au temple, ça leur donnera beaucoup de vertus dans leur vie. Because the holy to be the near and dear family members, you know, in India, in the Vedic system, culture, especially in Braj. Parce que les vaches sont considérées être comme une partie de la famille. Sont considérées comme être un membre de la famille. Some memory of the cows automatically coming because they are so related with the Nandotsava. Role of cow, holy cows are there. Le rôle de la vache est, me vient automatiquement parce qu'elle est très reliée à cette famille. One of the great criteria of the Braj Bhumi is cow's milk, okay, upsurge of the milk from the happy cows. Un grand critère des vaches de Vrindavan, c'est leur lait, la qualité. Mm. Et oui, les vaches heureuses. So not only so much food everywhere, diyotang, bhujyotang, so much, you know, offerings of the bhoga to Lord Krishna, newly born Lord Krishna, Gopal, Gopalo everywhere in the form of milk, yogurt, milk product, sweets, you know, sweets made of milk product everywhere. Donc il y a la nourriture partout, mais surtout les mets préférés de leur adorable Krishna, tous les produits laitiers, tous les sweets faits à partir de lait. So much bhandara today. Going on. Sometimes temples giving competitions, healthy competition among each other to distribute prasadam profusely. Who can do more than who? Alors il y a une compétition saine entre les temples à qui peut distribuer le plus de prasad. Oh, in Braj there is never lacking of prasadam. On ne manque jamais de prasad à Braj. One of the criteria of land of Braj. No people stay there fasting because, you know, there is no lacking of prasadam. We cannot, you know, unlike Western or European countries are like that. Oh, if you don't have money in the pocket, you may not be able to eat. But in Braj, it's just food doesn't. À Braj, c'est l'opposé. Ici, quand on n'a pas d'argent dans notre poche, on a peur qu'on ne va pas pouvoir manger. À Vrindavan, il y a toujours, toujours de la nourriture. Il manque jamais de nourriture. That's in culture, in Braj culture. C'est la culture de Vrindavan. In devotees' culture. C'est la culture des Vaishnavas. Okay, I mean, especially on the, I mean, it's every day in the life we find no lacking of prasad, especially in the day of Nandotsava, profuse amount, quantity of prasad everywhere, different delicious items. Alors, on manque jamais de prasad à Braj, mais alors surtout pas le jour de Nandotsava. Le jour de Nandotsava, il y a du prasad à profusion partout. So, this is very good news for all the tourists who want to live in plain, simple way and high thinking. Okay. Donc c'est une très bonne nouvelle pour tous les touristes qui veulent vivre d'une manière simple avec
bonne conscience. And especially the devoted tourists. Et spécialement les dévots. But it doesn't matter whether you have money in the pocket when you are land of Braj, you're in the land of Braj. Peu importe si vous avez de l'argent quand vous êtes à Vrindavan. Just go out, you will have healed food, you will have healed so much prasadam, so many places. Vous avez juste à sortir et vous pourrez avoir tellement d'endroits. Eat full belly, day and night. Vous pourrez avoir le ventre bien plein jour et nuit. Just you have to go out a little bit more and just find out some sources in temple everywhere. You'll be welcome to take some prasad. Il y a des temples partout et vous serez bienvenus partout pour manger du prasad. And if you don't have money to book a hotel room and all to stay, you go to any temple or any simple place, they will invite you. Okay. Et si vous n'avez pas d'argent pour dormir, vous allez dans n'importe quel temple ou chez les gens et ils vous diront venez rentrer et restez avec nous. Share place, share our place. On partagera place avec to sleep, place to give. They will just give. Et vous pourrez dormir avec nous. Of course, in a more plain way, but okay. So this is Braj mood. Donc c'est l'atmosphère de Braj. On the day of Nandotsava. So the whole festival of Nanda, Sinanda and Yashoda mothers Anandotsava, you know, is marked by the cow's milk, yogurt, sweet product out of milk, prasadam, and happiness of people all over, people doing Govardhan Parikrama, Panchakoshi Parikrama, everywhere. Alors la spécificité, c'est que c'est la fête, les produits laitiers, les vaches, tout le monde est heureux de Parikrama autour de Govardhan. That only thing, instead of hearing Krishna's name everywhere you hear, chanting of Radharani's name, Radhe, Radhe. Et au lieu d'entendre le nom de Krishna partout, vous entendez Radhe Radhe. That's why they're more used to it, because they know very well if they engage in chanting holy names of Srimati Radharani, oh Lord Krishna will be more pleased than chanting his direct name. Parce qu'ils savent très bien que s'ils chantent les noms de Radhe Radhe, Krishna il sera encore plus content. Sometimes if you go to the side of Mathura, they are say Jai Sri Krishna instead of Radhe. Si vous allez par Mathura, parfois vous entendrez Jai Sri Krishna au lieu de Radhe Radhe. But in Vrindavan, as if Krishna doesn't have so much place, all occupied by Radharani, everywhere Radhe Radhe. Mais à Vrindavan, en fait, on voit que Krishna, il n'a pas beaucoup de place. Tout est Radhe Radhe. Nanda Maharaj, Yashoda Devi, Mother. You know, our divine father, Nanda Maharaj, divine mother, Yashoda Devi, they're all very happy. After all, Srimati Radharani is their eternal daughter-in-law. Nanda Maharaj et Yashoda Mai, ils sont très contents avec ça, parce qu'après tout, éternel... daughter-in-law. Comment on dit Belle-fille. So everybody is happy. They are also very happy to hear the glories of their divine daughter-in-law. Donc ils sont très très contents d'entendre les gloires de leur divine belle-fille. In the in books like Gopala Champu, all you know, in the description of Jiva Goswami, Srimati Radha Thakurani, Srimati Radharani and Krishna have been described to be eternally married couple, eternally married divine couple. So eternal Radhika is Srimati Radharani known to be eternal beloved daughter-in-law of Nanda Maharaj and Yashoda Devi. Dans le Gopal Champu, c'est écrit que le couple divin est éternellement marié, donc elle est éternellement la belle-fille. Because the mode, the way of the description of Gopala Champu more in Sakya mode, divine Sakya, not Parokya, Parokya, but divine Sakya. He established the Nitya Lila of Radha Krishna. Le mode du Gopala Champu est
it's the mood is Sakya. Not para Sakya. Oui. C'est le mood de Radha et Krishna qui sont mariés, pas extra-conjugal. Yeah. Because the parokya lila between Radharani and Krishna Chandra in Braj just takes place just to enhance their ecstatic love pastimes. But the parokya is like play of drama to enhance the ecstatic between Radharani and Krishna, because unless it is a parokya, there will be no impediments between their union. So they create some impediments, special way to increase the intensity of their loving union. les parokya, c'est extra-conjugaux, c'est ça? Donc les relations extra-conjugales sont là pour amener du piquant à leur relation. C'est ça? Des fois, ils créent eux-mêmes ils se disputent ou ça, augmenter encore. Oui, c'est donc cette relation, c'est pour augmenter encore plus leur amour. Okay, kind of everybody understood. Okay, so Radhe, Radhe, everywhere today. Radhe. Every day, especially. Lord Krishna's, Lord Krishna's divine birth being celebrated, Lord Krishna's divine birth celebration now take place in Braj through the glorification and chanting of the name of Srimati Radhe. Donc le festival de la naissance de Krishna est célébré en disant les noms de Radhe, Radhe. Of course, besides that, we also hear lot of chanting of Radhe Shyam, Radhe Shyam, everywhere. On entend aussi Radhe Shyam partout. So, today, very jubilant mood. So, that's how the devotees, when see each other today, either call Radhe, Radhe, Maharaji, Radhe, Radhe, others say Radhe Shyam, Radhe Shyam. This is the common chant everywhere. Braj is filled with this ringing of this divine sound vibration. Radhe Radhe or Radhe Shyam. Se croise, tout le monde se dit Radhe Radhe ou Radhe Shyam, et l'air l'air rempli de ces noms. You know the way of their calling. They say, they never call like, hello, can you listen? They say, Radhe. Ils disent jamais bonjour, est-ce que tu peux m'écouter? Ils disent Radhe, Radhe. Yeah, Radhe, Radhe. And we understand, saying something to me. And we say, yes, Radhe, Radhe, what you are saying? Quand on entend Radhe, Radhe, on se dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Nice. So nice culture. Very nice. Krishna. Braj has different two sides. One is just external sides, another the internal aspects of the Braj. The internal aspects of the Braj everywhere is so sweet, so nectarian. Braj a deux côtés, le côté interne et le côté externe. C'est tellement doux. Externally, one may see sometimes everywhere animals, living very simple way, too much crowd everywhere. Small lanes. These are all external vision. Externalement, on peut dire c'est vraiment poussiéreux. Il y a plein d'animaux, il y a plein de bruit. Les gens y vivent très simplement. But the internal vision, is very much transcending the external vision of the Braj. Okay, internal vision so beautiful, nectarine, so beautifully nectarine. Okay. All divine, full of love of Krishna Radhika. Mais à l'intérieur, c'est plein d'amour et plein de nectar pour Radha et Krishna. So sometimes we also find on this day a lot of sports, Braj sports activities like stick playing. Donc en ce jour, on voit aussi beaucoup de sport, comme ils jouent avec des bâtons. How to say it? The artistic play of the sticks comme, ça doit être comme des majorettes, among the
de manière très artistique. Among the Braj residents, gopas, and also artistic, playful exhibitions, processions and taken out with chanting and dancing, with colorful Braj dresses, putting the stick together and all in dancing, singing and dancing mood. In this way, processions, many processions. Il y a plein de processions partout où tout le monde est habillé et ils chantent et ils dansent et ils tapent avec des bâtons. Sometimes when they see, even some non-devotees sometimes see that kind of joyful procession, they also just feel like joining. They just go and join and dance for a while, chant holy name of Krishna just by the holy influence of that. Dancing Brajavasis, jubilant Brajavasis. Parfois, quand on voit une procession passer, on va et on danse avec eux pendant un certain moment. And moreover, so much delicious prasadam everywhere. Competition of bhandaras. Bhandaras means open distribution of prasadam, profuse prasadam. In almost all the temples, even outside the temples. Donc bien sûr, il y a cette compétition avec ouverture des portes de prasadam dans tous les temples. Devotees, people, they eat prasad full belly, they carry big pot with them. They fill their pots and carry to their house, sometimes they come back 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, just to get more and more. Il y a tellement de nourriture que après avoir bien rempli leur ventre, les dévots, ils se prennent avec des pots, ils le remplissent, ils le ramènent chez eux, ils reviennent 2, 3, 4, 5 fois. And different types of delicious items. Il y a plein de genres de différentes sortes de prasadam. Here also I find the prasadam is so delicious here. Je trouve aussi que le prasadam ici est très bon. See, this mandir, the name, the very name of this temple is Gopalji. See, Gopalji Mandir. So naturally, the deliciousness of see Gopal, delicious, foodstuffs favorite to Gopal, also found here. I find so delicious. Prasad. Ici, comme ce temple s'appelle Gopalji Mandir, bien sûr, c'est on offre que la nourriture préférée de Gopal. Donc la nourriture est absolument délicieuse. Okay. I have been tasting prasadam here for a few days. Really charmed by the deliciousness of each and every item cooked. Complètement charmé par chaque chose que j'ai pu manger dans ce temple. So definitely some subtle connection, some transcendental connection is there, okay, between the original land of Braj and Gopalji. So Lord is accepting, the OIC, the Lord is accepting such delicious bhoga from cooked by the devotees here and from the hands of the devotees. It's Lord's desire. Accepte la nourriture qu'on lui offre parce qu'elle est tellement délicieuse. Okay, so Gaur Hari Bol. So today, the gopas, all the gopas, gopis are also engaged in many joyful sports activity. Joyful sports like stick playing, artistic playing with the stick. And then, they also pose in a dramatic play, a lot of dramatic play. They play in the drama, Nanda, Yashoda. Donc, il y a aussi beaucoup de pièces de théâtre aujourd'hui. Ils jouent Nanda, Yashoda et Gopala. Gopala, and how the Nanda Maharaja gave so many cows and how they celebrated after the appearance of Lord Krishna to copy and exhibit through some dramas also today. Ils reproduisent en théâtre
ce jour incroyable où, où Krishna est arrivé, où Nanda Maharaj il a offert plein de vaches. And I remember today in my both Gurudeva's temple, okay, in Chaitanya Sad, my Diksha Gurudev, Sila, my Diksha Gurudev temples in Navadvip Chaitanya Sarsat Math. Also, my Siksha, great Siksha Sannyas Gurudev's temples in Puri Goswami Maharaj. Okay, there's functions of special distribution of Mahaprasadam. Et je me souviens aussi aujourd'hui, les deux temples, le temple de mon Gurudev et celui de Puri Maharaj, où il distribue le prasad. I mean, in all temples, in all our Guru Bhargava's temples, everywhere, whether in ISKCON, everywhere, Guru Bhargava follow today, make the distribution of the prasadam as much as possible, okay, today, including even the public. I mean. Aujourd'hui, dans tous les temples, on distribue le plus de prasadam possible, même au public. A grand way. Some do in a more simple way, but that is there according to the ability of each other, financial abilities. Chacun fait suivant ses moyens. Il y en a qui c'est immense et il y en a c'est plus simple. Of course, with Harikatha classes today in every Gaudiya Math, all temples, morning starts reading from 10th canto of Srimad Bhagavatam. Okay. And describing the festivity, the Nandotsava, directly from Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, dans toutes les maths, on lit sur le dixième chant, sur toutes les festivités du Nandotsava. Also, festival of chanting devotional songs today. Et on chante plein de chants dévotionnels. Not only festival of prasadam, also pas que prasadam. Festivals of songs. On chante so aussi many beaucoup. Beautiful. You know, songs, devotional songs, composed by exalted devotees in Sanskrit, Bengali, Hindi, Brajbuli. Il y a plein de chansons tellement merveilleuses qui sont écrites en Hindi, en Bengali, en Sanskrit. Jai Sishi Nanda Maharaj ki, Jai Sishi Madh Nanda Maharaj ki, Jai Sishi Mati Yashoda Maiya ki, Jai. Jai Nanda Maharaj Jashoda Nandana Gopal Jiu Ki Jai Toyo Abhirbhav Maha Mahotsav Ki Jai. Sing some bhajan. Yes. A little time. I want to chant Brajaraja Sutastakam, but everybody should find on the internet, smartphone. What to do? Brajaraja Sutastakam. It is connected with Nanda Maharaj, you know. Bhaja Krishna Nidhim Brajaraja Sutam. This, the son of the king of the Braj, Nanda Maharaj. Also, Brajaraja Sutastakam. Also, on smartphone, find out. It starts with, first line starts with Navani Radha Nindita. Oh, great. Yes, it is there. Okay, first line starting with Navani Radha Nindita. Have you taken both? Oh, small. Okay. Complete.
Sri Sri Brajaraja Sutashtakam. First, Maharaj, could you read the translation in English? I want you to first read the translation. And, just for the devotees' understanding. Okay.